Quels sont les mots-clés qui caractérisent, quels sont les 10 ou 12 mots-clés qui caractérisent tout ce qu'on s'est dit hier? Carbone. Carbone. Ok. Lumière. Lumière. Je vais mettre de la photosynthèse, par exemple. Eau. Allez, de l'eau. Taille. Taille. Ok. Biodiversité. Biodiversité. Pas de problème. Local. Local. Pourquoi pas? C'est tout ce qu'on s'est dit? Symbiose, coopération, très bien, ok, c'est la base aussi, des symbioses, sol, sans aucun doute, paysage, pourquoi pas, ok, fertilité, optimisation, protection, j'ai entendu production, donc on n'est pas contre le fait de produire. Non, je dis ça parce que moi souvent on me dit attention, faut pas trop en faire, on est trop en décroissance, tu comprends là, faudrait pas trop utiliser, user les sols. Donc la notion de production, ça vous va? Production ou productivité ou les deux? La productivité, ça vous va? Allez. Vendu ou pas? Parce que on est encore en démocratie, donc s'il y en a qui sont fondamentalement contre, de la productivité. Ok. Bon, on est pas mal là. Je ne sais pas si on en a 12, mais on est pas mal. Abondance. Abondance. C'est bien l'abondance. Harmonie. Ok. L'échange, harmonie, et oui, la croissance, ok, trogne, ouais. On va le mettre là, le capital, hein, qui dit intérêt dit capital, c'est le béaba de l'agroforesterie ça. Donc, des trognes, du capital. Ok. Bon, on est pas mal. Ça, c'est de l'agroécologie. Quoi d'autre? La provenance. La provenance. Ça, c'est trop technique. Des plantes. Mais ça, c'est, on est bien d'accord. Local. Local. Oui, non, mais il y a des règles très précises, évidemment. Heureusement, d'ailleurs. Durabilité. Durabilité, allez. Règles. Règles, ok. Essence. Essence. Pourquoi essence? Là. On l'a dit, biodiversité. On va l'intégrer dedans, comme ça, ça nous fait gagner. Il manque encore une bricole ou deux. L'eau. Le projet. Là, je veux qu'on se projette un peu plus globalement que juste l'action de planter un arbre ou l'action de couvrir un sol. Comment on peut le caractériser? Qu'est-ce qui est déterminant dans des choses qu'on s'est dites? La biomasse. Le dynamisme, la biomasse.
La gestion de l'eau, couvrir le territoire. Contexte pédoclimatique, bien sûr, un projet. D'ailleurs, s'il y a un de vous qui veut faire un projet chez lui, là, il y réfléchit et dans 10 minutes, il vient le faire au tableau. Ben oui, vous dessinez un îlot sur lequel vous voulez faire un projet, et puis on le fait. On le fait ensemble. Alors, il manque un mot ou deux, de mon point de vue. Important, de mon point de vue, l'énergie. L'énergie, ça c'est essentiel. C'est pas parce qu'il faut l'économiser qu'il en faudra pas un peu. Nous sommes des consommateurs, les plantes sont des productrices et les arbres produisent tout avec rien. Entretien. Entretien, bien sûr. Nécessaire. Cohérence. Cohérence. Il nous faut de la cohérence. C'est extrêmement important. Il y en a un autre qu'on voit chez les agriculteurs qui se mettent à coopérer comme les plantes, c'est l'optimisme. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que quand vous vous levez le matin et que vous dites « Putain, fais chier, bordel, j'ai encore la batterie du tracteur qui déconne et machin », là, si vous avez le tracteur qui ne démarre pas, mais que derrière les projets vont bien, que vous avez de nouveaux projets, que ça pousse et que ça marche, c'est pas pareil. Hein? C'est plutôt signe, mais il en faut, parce qu'on l'avait un peu perdu dans les campagnes, cet optimisme et cette coopération entre les agriculteurs. Là, on est sorti de l'ère où, ouais, qu'est-ce qu'il fait? C'est plutôt, bon, t'as essayé ça, bon, je vois qu'il faut encore affiner, mais... Et puis, il y a un autre mot qui fait que si on est optimiste et qu'on optimise, et qu'on fait donc plus de photosynthèse, puisqu'on considère que le rayonnement solaire ne doit jamais toucher le sol... Parce que c'est ça qui nous pose des problèmes. Donc on produit un peu plus, on diversifie. Il y a une notion qui est extrêmement importante et à mon avis nécessaire en agriculture. Et les arbres en sont peut-être la clé de voûte, hein, puisqu'on parle de fertilité. Clé de voûte, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Fonctionnement, c'est l'autonomie. C'est gagner en autonomie. Hein. On parle de fertilité et un peu plus d'auto-fertilité. Mais l'autonomie, c'est une notion qui est extrêmement importante. Parce que c'est là que ça se joue. J'ai un peu de bois, j'ai un peu de fruits, j'ai un peu de paillage, j'ai un peu de BRF. Et quand j'ai réagrégé, quand j'ai remis tout ça en place, ben, j'évite d'aller chercher loin des choses qui me coûtent cher. Parce que quel qu'il en soit, les cours, ils vont remonter un peu. Les valorisations, on va un petit peu les améliorer. Mais aujourd'hui, la crise agricole telle qu'on l'appelle... Pour beaucoup d'agriculteurs, c'est une crise du sol, c'est une crise du coût à produire. Le coût à produire est exorbitant au regard de ce qu'on va pouvoir récolter. C'est ça le problème. On peut gagner 2 centimes sur un kilo de patates, mais si ce kilo de patates il coûte 4 fois trop cher à produire, les 2 centimes gagnés, ça ne nous mènera pas loin. Hein? Et ça, c'est quelque chose qu'on a en agriculture un peu de mal à voir et à accepter et à caractériser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va rebosser sur des indicateurs de fertilité, mais pas que. On va faire un autre épisode de mots-clés comme ça. Alors, désolé, mais on va y revenir un petit peu encore. Qu'est-ce qu'on a encore comme souci aujourd'hui? Bon, tant pis, je suis désolé, mais on va faire la liste. La liste des soucis, les vôtres, les autres, ceux de... Mais les vôtres, pourquoi pas? C'est quoi vos soucis? C'est quoi vos problèmes? C'est quoi vos besoins? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là et qu'est-ce qui fait que la question de cette agroforesterie vous titille? Donc l'érosion, évidemment. Évidemment. La compaction, oui. Les blocages intellectuels ou culturels et socio-professionnels. Culturels, socio-professionnels, les blocages. Ok.
À ne pas confondre avec les bocages, n'est-ce pas? Mais il y en a qui peuvent avoir de gros blocages sur le bocage, évidemment. La rentabilité. L'énergie. C'est tout? Pour citer la cohérence, quoi. Facile, pour être cohérent, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Hein. Donc là, c'est le manque de cohérence. Ok. Manque de cohérence. C'est pas facile d'être cohérent. L'uniformité. Ok. Tu disais l'accroissement global. C'est quoi l'accroissement global? C'est la rentabilité vertueuse. C'est-à-dire que, je rebondis, mais pour le coup, gagner plus financièrement, socialement, écologiquement, pour la planète, pour soi, pour les autres, pour le sol, créer du volume, de l'enrichissement global qui apporte à tous et à tout. C'est ça que tu souhaites? Ah oui? Oui, oui, d'accord. Donc, on est dans les problèmes. Donc, le manque de cette croissance et de cette abondance, puisqu'on l'a cité, par ailleurs. Ok. Donc, ça, c'est un problème. Bon, on le met sous l'appellation du revenu, même si c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas tout à fait ça. On est d'accord. Moi, c'est pour gagner de la place, mais d'accord. Ok, quoi d'autre? La protection de l'environnement. Ah oui, c'est un problème. On n'arrive pas à se mettre d'accord et on croit qu'il faut protéger la nature. Tout ça, c'est compliqué, oui. On croit qu'il faut produire d'un côté, protéger de l'autre. Comment? J'ai pas entendu. Glyphosate. On va la mettre sous l'appellation de la chimie. Ok. La dépendance. Ouais. La qualité. Tu parles du produit fini? La qualité du travail. Ouais. Mais oui, non, mais... attends, on est là. Vous êtes en thérapie de groupe, ne l'oubliez pas. Hein. C'est 50 balles ou deux bouteilles, vous voyez bien comme vous voulez. L'esclavage. Ok. On le met comme ça, hein. Il est à relativiser, mais bien que parfois... Le temps qui passe vite. Oui. J'ai mis en place plutôt des choses en place en fin de carrière. Ouais. Donc oui, c'est vrai que la notion de temps, on peut la nommer, oui, parce que elle est surtout dans le sujet qui nous préoccupe depuis deux ou trois jours, le temps, la notion de temps, ok. Le climat, c'est-à-dire. Je veux bien, mais ça veut dire quoi le climat? Un problème dans le sens de ce qui se passe en ce moment. Ok, donc les dérèglements. Ok. Ok, climat, changement, perturbation. La reconnaissance. Pourquoi pas? Ok. Conflit de génération. Ouais. L'isolement. On est d'accord? Génération, isolement, ça vous va? L'isolement, je pense que ça existe aussi. Hein.
La propriété. Oui. Ouais. Le foncier, les règles. Qu'est-ce qu'on a dit? La question des... Pour génération, je mets vieux con ou ça craint? Non, parce que des fois... Comment? Si je me... Bah évidemment. Mais à mon avis, les vieux cons, des fois, ils ont 18 ans. Hein. Ok. Génération. Non, non, il y en a du... Heureusement qu'on va planter des arbres pour effacer tout ça. C'est ça, hein, le job. Hein. Tout ce bordel-là, c'est évacué en plantant. On plante, et là, boum, bam, bim, bim, plus de... C'est tout? Vous en avez d'autres ou pas? Je pense... Le manque de connaissances. Non, le manque de compétences. Le manque de compétences, le manque de formation. Comment on l'appelle tout ça? Il faut qu'on trouve un terme générique. La formation, la culture? Compétences. Compétences, c'est ça, hein, ça se... Vous êtes d'accord? Ça, je pense que c'est... Tiens, on va le mettre en rouge. Ok. C'est tout? Productivité? Ouais, on va dire qu'on l'a, on l'a balayé. On l'a mis de l'autre côté. Les compétences, c'était l'ouverture à de nouvelles connaissances. L'ouverture, génération, isolement. On est d'accord qu'on a émis blocage aussi. Hein, donc les blocages, ça voulait un petit peu... Scientifique, on ne connaît pas partout. Manque de... Ça veut dire manque d'éléments étayés de la recherche, de connaissances. Compétences, connaissances. Ok. Et avec ça, c'est tout? Il y a du boulot, hein? Alors, on pourrait, je l'ai un petit peu dit et vous le savez, on a mis la dépendance. Donc, quand on a parlé de dépendance, c'est bien aux intrants, à tout un tas de choses. On est d'accord? Hein? Donc, et notamment au pétrole. L'outil. Il n'y a pas l'outil. Ouais, voilà, avoir le bon outil pour faire le bon. Il manque l'outil. Le bon, ouais. Ouais, ouais. Les outils. Même s'il en faut peu. Ok. On en reste là ou pas? Organisation, le problème d'organisation, de trouver les bonnes personnes pour pouvoir construire, arriver à faire de l'économie. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un réseau. Hein? Le réseau, le travail en réseau, comme les arbres, toujours. Il faut imiter les arbres, il faut coopérer et arrêter de se mettre en compétition en permanence. Alors il y a une bricole supplémentaire qu'on pourrait rajouter, en tout cas qui est un peu notre quotidien, ce qui est un peu normal, c'est les idées reçues. Ça, il y a une lutte importante, et notamment sur les arbres. Sur les arbres, il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues. Ça peut se rejoindre, ça peut se... S'il y a des blocages, oui, 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 on peut le mettre dans la catégorie. Blocage plus idées. Oui, oui. IDR. Bon, ben c'est pas mal, on est bon avec ça. On va pouvoir travailler. Qu'est-ce qu'on fait pour travailler avec ça? Vous avez une idée? Comment on sort de tout ça? Alors, on se forme, on s'informe, on participe, on fait, on coopère, on produit, on coproduit. On s'échange nos adresses, on monte des réseaux, on les fait vivre, on les anime. Eh ouais. Bon, ok. Bon, j'efface, hein, c'est trop triste.
Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme arbre en agroforesterie d'après vous? C'est quoi les meilleurs arbres pour faire de l'agroforesterie? Parce que là, on a plein de problèmes, donc maintenant, il faut qu'on rentre dans le champ des solutions. Ceux qui ont une longue durée. Peut-être. On va leur donner des noms. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme arbre en agroforesterie? Les noms des espèces. Oui, ben oui, attends, on va pas rester que dans les problèmes. C'est bon. On fait des classes, peut-être, avant de manger, le buissonnement. Vous croyez? Non, je sais pas. Sinon, ça va porter dans tous les sens. Mais tant mieux. Mais il faut arrêter de classer, d'hierarchiser. On est dans la nature, la biodiversité, le paysage, le territoire. Des chênes. Des chênes? Allez. Des chênes. Attends, doucement. Oh, oh, oh. Oh, Mimi. Donc, des chênes, ok? Et puis? Des tilleuls. Des tilleuls. Des érables. Acacia, pas trop. Acacia, je mets un petit moins devant, c'est un peu danger. C'est à utiliser avec beaucoup, beaucoup de précautions. Oui, mais. Tilleul, peuplier. J'ai entendu cormier, je crois. C'est ça? Oui. Ok. Noyer, orme. Noyer, orme. Alizier, terminal. Orme, alizier. Saule. Poirier. Saule. Châtaignier. Frêne. Oui. Merisier. Je crois pas. Non, a priori. Comment? Non, je crois pas. Les fruitiers en général. Les fruitiers en général, on a déjà cité quelques-uns. Ok. Non. Fusain. Pourquoi on planterait du ginkgo? Tout le monde plante du ginkgo. Pour faire des restes au commerce et des feuilles. Peut-être, mais donc là on rentre dans l'exception. Et quand on rentre dans l'exception, là pour l'instant, on travaille sur une trame agroforestière dans le paysage. Si après je dois faire une rangée de ginkgo parce qu'il y a des vertus particulières avec cette plante-là pour des raisons particulières et que ça ne pose pas de problème de pollution génétique dans le paysage dans lequel je suis, pourquoi pas? Mais avant, quand je suis agroforestier, je dois faire une trame générale, que j'ai un hectare ou que j'en ai 100, qui structure mon territoire, mon paysage et ma parcelle. Puisque je dois, vous l'avez exprimé, je dois diversifier, je dois optimiser, je dois amortir les chocs climatiques, je dois résister. L'arbre est un amortisseur de premier rang, un accumulateur et un stockeur. Donc, si je fous du ginkgo chez Marc où il y a du vent, le truc qui va exploser, je vais le retrouver en Grande-Bretagne. Le machin là, le ginkgo, ou autre. Ouais, mais ça résiste au bombes nucléaires, c'est intéressant. Oui, on le dit. On s'arrange toujours pour en trouver un qui est meilleur que l'autre. C'est le problème des arbres, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. On est toujours, celui-là il fixe plus d'azote, celui-là il fixerait plus de... Mais c'est une blague. On veut des arbres, comme pour l'idée qu'il y ait des arbres qui seraient plus mellifères que d'autres. Ils le sont tous. Ils ont tous leur rôle à un moment donné dans la chaîne des pollinisateurs. Donc il faut faire gaffe de ne pas spécialiser, de ne pas... Je veux une haie mellifère, je veux une haie synergétique, je veux une... Non, on fait des haies champêtres. On fait des aménagements agroforestiers qui correspondent aux stations et aux situations dans lesquelles nous sommes. Le charme. Le charme. C'est tout? Le prunelier. Le sureau. Tout ce qui est viorne, mais voilà, hein. Le noisetier, bien sûr. Églantier. Quoi d'autre? Être. Le hêtre. Avec parcimonie. La clématite, parce que c'est une plante qui envahit dans les milieux un peu riches, un peu humides. Elle peut être très vite envahissante. Mais c'est une plante composée, qui compose les haies, oui. Des conifères? Parfois. Parfois, dans certaines zones, notamment un peu en altitude. Comment?
On peut mettre un if de temps en temps. On va mettre conifère pour faire simple. Puisqu'il y a des paysages agroforestiers sur des bases conifères en altitude où on a des pré-bois où les vaches sont sous les résineux dans l'herbe et ça va très bien comme ça. Le nerprin. Le nerprin. Bien sûr. La bourdaine, évidemment. L'olivier, pourquoi pas. Peut-être pas par ici, mais dans certaines zones, il est évidemment à sa place. Olivier, arbre agroforestier de prédilection, n'est-ce pas? Toujours cultivé dessous, toujours de l'élevage, etc. Taillé, trogné, dispersé dans le paysage. Le mûrier, parfois le micocoulier. Oui. Le cornouiller. Le figuier. L'arbousier. Le chêne liège. On va mettre, j'ai mis un chêne avec un S là, comme ça. L'aulne, merci. Le saule, on l'a dit, ouais. Oui. Oui. Le boulot. L'arbre de Judée avec beaucoup, beaucoup de précautions. C'est quand même une plante qui est plutôt une plante ornementale, qui n'a pas beaucoup de raisons d'être dans les grandes plaines ventées. Donc, beaucoup, beaucoup de précautions. Le néflier. Pourquoi le plaque minier? Pourquoi pas? Ponctuellement. Moi, je croyais qu'il faisait des plaques. L'hiver, c'est bien, t'as des fruits. Eh bien sûr, et bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on oublie? Le lierre. Le lierre, évidemment. En principe, on n'a pas besoin de le planter. Le cognassier. Cognassier. Vous savez pourquoi on utilisait les cognassiers? Enfin, vous savez pourquoi? Parce que ça fait des coins et que ça borne les champs. Mais c'est vrai, hein? Chez nous, si, c'est vrai, hein? On mettait un cognassier parce que c'est un arbre qui ne va pas drageonner, il est fixe. Donc si on le met à la limite, il résiste un peu au feu, ce qui peut être important dans le monde paysan. Hein, et il ne bouge pas, il est stable. Si vous mettez un prunelier, il va drageonner partout. Donc le cognassier, en dehors du fait de faire des coins, il fait aussi le coin des champs. Voilà. Encore une plante extrêmement courante dans les haies. Il y a des composantes récurrentes qu'on va trouver. Comment? Le houx, parfois sur des sols acides, oui. Mais une qui est très très commune. Vous avez cité le cornouiller, vous avez cité le prunelier. Il en manque encore deux ou trois. Le sureau, on l'a dit. Le frêne, on l'a dit. Le hêtre, on l'a dit. Alors là, du coup, puisqu'on parlait des catégories, c'est des plantes, ce n'est pas des arbres de haut jet. Le sorbier. Mais une plante, on a cité la noire, avec laquelle on fait beaucoup d'apéritifs, qui s'appelle le prunelier. L'aubépine. Le pin d'oiseau. Hein, on est toujours d'accord pour faire de la biodiversité, on l'a dit dans les mots-clés. Hein? Donc si on fait de la biodiversité, on respecte les principes premiers. L'aubépine, ça fait une quantité, les aubépines, puisqu'il y en a plusieurs, ça fait des quantités de baies invraisemblables. Ça fait aussi des fleurs très abondantes et précoces. L'aubépine. Non, c'est pas bien du tout. C'est, voilà, ça n'a rien à faire dans les champs.
Ça pose beaucoup de problèmes, c'est plutôt dangereux. Ça, éventuellement, ça peut être facteur de feu bactérien. Le feu bactérien, j'avais un doute. Et puis c'est ingérable, quoi. Donc, et puis, parce qu'on a, on a mis du piracanta à une époque en disant ça va nourrir les oiseaux, mais. Parce que les cornouillers, les pruneliers, les aubépines et le reste, ça nourrit pas les oiseaux. Donc. Éventuellement, dans certaines stations. Laurier. Quel laurier, du coup ? Sauce. Hein ? Dans certains cas. Et puis une qu'on n'a pas citée encore, il y en a d'autres, mais on va en rester là, parce qu'il y en a beaucoup. Hein, pour faire nos projets d'agroforesterie des plantes, elles sont là, puis il y en a d'autres. Une assez commune, qu'il faut que vous connaissiez, qui est dite mellifère, mais comme les autres, c'est le troène des bois, troène commun, qui a l'avantage, lui aussi, le charme derrière nous a une feuille marcescente, qui reste en place, comme certains chênes, et le troène des bois a une feuille semi-persistante, une chasse l'autre. C'est important, je vous l'ai dit, d'avoir de la verdure, d'avoir des refuges et d'avoir de la nourriture, du pâturage pour toutes les bestioles dans les arbres et dans les haies. C'est extrêmement important. Comment ? Oui, mais l'abélia, c'est vraiment une plante très, très ornementale. Ça, il faut le mettre dans le pot de fleurs sur l'escalier. C'est sa place. J'exagère, hein, mais ça n'a rien à faire dans les champs. Ça n'a d'autant moins rien à faire dans les champs. C'est qu'une part, d'un, ça n'amène rien, et deux, c'est très fragile. Le buis ? Le buis, bien sûr. Lui aussi, pas n'importe où, pas n'importe comment. Le buis, le genévrier, c'est plutôt une plante de lumière, mais ponctuellement, on peut en voir dans les haies. Plus quelques lianes, plus quelques plantes diverses et variées. Bon, on en reste là, ça va, la liste ? Donc vous voyez, on a un champ des possibles en agroforesterie qui est sympathique, puisque, comme ça a été dit, il y a les arbres fruitiers, donc ils sont agréfés ou pas, etc. etc. Hein ?